les 5 types de pompes que tu dois faire si tu veux prendre du muscle et que tu n'as pas de matériel. Les pompes, c'est l'exercice roi pour développer ses pectoraux, ses épaules et ses triceps lorsqu'on ne peut pas aller en salle de sport. Je vais te montrer en vidéo 5 types de pompes à faire dès aujourd'hui. Mais avant ça, enregistre la vidéo et abonne-toi pour plus de conseils. On commence avec les pompes basiques. Place les mains à largeur d'épaule, bombe le torse et plie les coudes à 45 degrés le long du corps pour rapprocher ta poitrine du sol avant de pousser sur tes mains pour te relever. Celles-ci sont géniales pour travailler les pectoraux. Ensuite, tu as les pompes serrées. Mains largeur d'épaule également, mais ici tu vas garder les coudes serrés contre le corps et on va mettre l'accent sur le travail des triceps. En troisième, tu as les pompes avec pieds surélevés. Ici, on va travailler un peu plus le haut des pectoraux et les épaules. On continue avec les pompes mains surélevées. C'est une alternative aux dips si tu n'as pas de matériel et que tu veux mettre l'accent sur le bas de pec. Et pour finir, tu as les pompes piquées. Plus techniques et plus dures à réaliser, elles vont travailler surtout les épaules. Commence avec les pieds au sol et en pliant les jambes si c'est difficile au début. Et si tu recherches une programmation personnalisée qui te permettra de prendre 5 à 10 kg de muscles secs dans les 6 prochains mois, envoie-moi go sur Instagram.